Je suis volontaire en service civique. Le service civique, c'est l'occasion pour des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap de pouvoir s'investir, s'engager pour la société, pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes. Je m'appelle Issa. Je m'appelle Kavavouj. Je m'appelle Leonardo. Je viens d'Éthiopie. Je viens d'Albanie. Je viens du Soudan. Depuis janvier 2018, le service civique est ouvert aux personnes bénéficiaires de la protection internationale. Dit plus simplement, c'est ouvert aux réfugiés. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un formidable tremplin d'intégration. On prend quand même quelques mois de sa vie à penser aux autres, à s'engager. Ça permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées, ça permet de soutenir les familles qui ont en leur sein une personne en situation de handicap. On peut lui donner plein de formes différentes. C'est quelque chose vraiment que l'on fait pour les autres en premier lieu, mais aussi effectivement pour soi. Avant, je ne parlais pas, mais maintenant, je parle un peu mieux. Je trouve que ça leur a apporté beaucoup de confiance en eux, de comprendre qu'ils parlent mieux français, qu'on arrive mieux à discuter ensemble. Déjà, ça, c'est un grand pas. Maintenant, je parle un peu tout court. Et je pense que c'est le plus important aussi quand on est réfugié de sortir de cette bulle et en fait de vivre comme un citoyen lambda. Quoi. Ça change tout, en fait. Pour moi, ça change tout. C'est s'entraider, mais à tous les niveaux, sans distinction de statut, de religion. On se mobilise tous pour tout le monde. Si tu es un réfugié et que tu hésites à faire un service civique, n'hésite plus, viens apprendre le français, viens discuter en français, rigoler en français, et viens acquérir ton autonomie aussi, rien qu'au niveau de la langue. Ça va vraiment te grandir, tu vas te sentir utile aussi dans les missions que tu vas faire. Et tu m'as adoré.